Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, Hit Outlast, la suite. Qui est le jeu? Outlast 2. Outlast 2. Ben. On était rendu où hier? On avait découvert que la femme du personnage était planquée dans la mine. Enfin, était cachée dans la mine. Donc, partons. Partons à la recherche de notre femme. Partons à la recherche de notre femme. Je suppose que ça va être ça, la mine. Les mines, ce chemin va aux mines, là où les autres ont conduit Lynn. Les autres. Ok, une corniche. En train de passer son pire lendemain de soirée pimentée. Oh merde. Ok, c'est pas trop loin. C'est pas si mal. C'est pas si beau. Bah oui, ça glisse. Quoi, c'est des moustiques? Ah mais oui, mais ils ont tous la gale, la syphilis. La peste, le choléra, la fièvre jaune, la malaria. Ils sont tous galeux. Allez, on est accroché à tête en bas. Désolé. Sa souffrance est complète. Les paroles de Nott sont vraies. Et nous vivons une époque déterminante. Ouais. C'est plus de bruit, hein. Toujours pas cassé? On dirait que je vais faire le tour. Le tour.
Par là? Non, par là. Faire le tour. Ramper où? C'est le mec là-bas qui a la pierre chiasse. Au script. Alors, cette larve a pris ses bénédictions pour une maladie et a essayé de partir et je l'ai brisé. Ne répétez pas cette erreur et ne commettez pas ces péchés. Dieu et son prophète vous aiment. Non? Faut aller. Ah mais je suis con. Du violon là. Arrêtez maintenant. Et du coup, on va aller rejoindre les hérétiques. Les hérétiques, c'est des potes ou c'est pas des potes au final? Est-ce que les hérétiques, c'est qu'ils avaient pas l'air très très agressifs envers nous? Sickness, au moins ils préviennent. Je vous bénis ces sickness. Ils sont tous malades ici. Que Dieu les bénisse. Ces gens pourrissaient avant qu'ils soient assassinés. On prend un chemin alternatif. Alors, ah mais on peut, d'accord, on peut appuyer sur espace pour avoir le texte en mieux. Bienvenue dans ce lieu de guérison spirituelle. Vous avez peur et vous êtes malade, comme vous devriez l'être, et vous êtes rempli de honte. Vous avez raison de l'être. Vous savez que vous ne seriez pas ici en l'absence de vos propres péchés, mais je peux à nouveau vous rendre merveilleux et pur. Lorsque cette maladie s'est répandue pour recouvrir Templegate de sa croûte, Papanos, dans sa sagesse et sa bonté, l'a reconnue comme affliction spirituelle qu'elle était. Ne croyez pas ceux du monde extérieur, les malhonnêtes et les effrayés, qui disent que vous êtes atteint de syphilis ou de gonorrhée. D'autres mensonges, c'est une maladie de l'âme, et seule la purge de votre âme vous permettra de retrouver la santé. Restez vrai, restez obéissant envers Dieu, envers Papanos, et particulièrement envers Laird, son diacre. Laird. D'accord. On l'a croisé ou pas son diacre? Je sais plus. Je sais plus si on l'a vraiment croisé le diacre. Parce que je me souviens de. En personnage qu'on a croisé. On a croisé Papanot. Le genre de. Ah, faut mettre une crème, hein. Faut mettre une petite crème. Hein.
Quoi ça, c'est un saut de quoi? Maïs, des os, sûrement du caca. Ouais. Ils viennent me gerber dessus! Il m'a gerbé dessus! Ah mais c'est lui qui a mangé épicé! Voilà, apparemment ça a l'air d'être trop... trop peuplé. Ah oui, décidément là c'est un... Oula, c'est tout le monde! C'est tout le monde qui a la diarrhée là. En fait, je peux faire ça directement et faire ça. Je programme la putain de l'herde qui nous conduit à l'infestation. Je programme le scorbut de l'herde qui nous conduit à la damnation. Je proclame la perfide de l'herde qui nous conduit à la contamination. Je programme la tromperie de l'herde qui nous saigne jusqu'à l'anéantissement. Je programme le chancre de l'herde qui nous nourrit jusqu'à l'extinction. Je programme le Sic Semper Evolo Mortem Tyrannis. Semper, je crois que ça veut dire toujours. Mortem tyranni, c'est pas mort au tyran. Je sais pas. Je suis rouillé du latin. Enfin, je suis rouillé, c'est pas que je suis rouillé, c'est que j'en ai jamais vraiment fait. D'accord, mais ça sert pas grand chose. Et du coup, c'est un... Ça a l'air d'être des... Comment ça s'appelle? Tous malades? Ils sont tous malades? Et ils... Je sais pas si c'est des méchants ou pas. Bah, le jour, il va paumer ses... C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas déjà pété ses lunettes. Et c'est également étonnant qu'il n'ait pas déjà Oh putain, j'hallucine! Nous avons trouvé le Christ galeux. What? C'est quoi ça? C'était un petit qui était sur Il va être encore scripté, il va savoir où je suis. Alors de quoi t'es composé? Il est collé à lui ou c'est un cul-de-jatte? Couler en ligne droite. Des zigzags. Il court vite le con. Des zigzags, on pense aux zigzags. Des voilà, faut faire des cette transition. Cette transition. Jess, reviens! Nous ne sommes pas seuls.
Seconde, je vérifie quelque chose. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Je viens d'où, moi? Y a pas un air d'Elon Musk? Sais pas. Juste un air alors. Oh, ce fond d'écran! Père Porcari, j'ai fait sortir Mademoiselle Gray de la classe d'éducation physique aujourd'hui afin d'avoir une petite conversation avec elle. Père Loutemilche, t'inquiète du fait qu'elle soit un peu trop sensible pour son propre bien. Et j'en doute pas, pauvre fille, je sais que vous avez rencontré son père et sa grande personnalité, et ce qui est arrivé à sa mère est une véritable tragédie que Dieu ait son âme. Quoi qu'il en soit, Père Loutemilche pense que cela ne serait pas une bonne idée de laisser Jessica participer à l'excursion à l'usine de piano, et je suis plutôt d'accord avec lui, elle présente les caractéristiques d'enfant prêt à fuguer. En plus de cela, la signature de son père sur la feuille de permission est gênante, tant qu'il est évident qu'elle l'a falsifiée. J'ai donc besoin de votre permission pour suspendre cette autorisation, nous la placerons en étude à la bibliothèque pour ce jour-là. Shelly Parham, d'orientation. Ah bah, on dirait ma mailbox. Mail. D'accord, donc on lui a refusé un. Que ferait Jésus? Je me rappelle un épisode de South Park, là aussi, le Que ferait Jésus? Que dalle. Par là-bas, du coup. Toilette. C'est dedans. Rien. Ah. Et des mystifiants dans les murs. Ne pars pas. Bah. Par laquelle est partie. Angle étranglé, Aude, dos. La lettre dos peut-être. Mais qui est avec qui? Ils ont l'air pestiférés, mais ils sont pas avec les. Pardonne-moi, Seigneur, mais je dois en être sûr. Ouvre sa bouche, Nick. Oui, voilà. C'est bien. Monsieur, je t'en prie, fais ce soin. Il n'a pas la marque. Il est le messie galeux. Fils de chienne fendue! Il n'est pas encore transubstantié. Il n'a pas encore vécu sa renaissance. Nous devons d'abord le mettre sur cette croix. Va chercher mon marteau et mes clous. Et allons sur cette colline.
D'accord, donc. Ah, ok. Immaculé comme un nouveau-né. Il nous donnera son évangile. Les paroles sacrées de son enseignement. Il sera cloué à la croix et mourra. Et il sera enterré. Mais il ressuscitera dans une chair plus parfaite. Et nous mangerons cette chair dans la sainte communion et serons guéris de nos péchés physiques. Et nous irriterons cette terre brisée. Tu vois, nous avons tout préparé. Tout est prêt pour toi. Ah bah, c'est gentil, c'est attentionné. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Mon Dieu, où est ton évangile? Tu es censé avoir un évangile à partager pour nous guider dans notre salut après la fin. Un évangile? La vérité, tes conseils, nous avons longtemps souffert en t'attendant. Eh bien, mon vieux Nick, je crois que nous ferions mieux de planter ces clous. Attendez. Bien. C'était pas si mal, non? Ouais. Et l'autre vient nous sauver, là, bidule? Qu'est-ce que c'est? Nick, donne-moi ça. C'est une caméra? Ouais. Un enregistrement? Bien entendu, comment pouvais-je ne pas le voir? Un Christ moderne utiliserait une caméra, pas un livre. Voici notre évangile. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Lui qui n'est pas terminé. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Il n'y a aucune souffrance que je ne mérite pas. Je suis un ver, une blessure béante, une... Je dois étudier ces enseignements. Plante notre clou et accroche-le. Tu es la lumière du monde. Tu es le chemin. J'espère au moins que les clous, ils ont été stérilisés et tout, parce que... Ça vient de travailler avec du matériel propre. Fin du jeu. Ah bah là tu vas pas pouvoir Mais pas votre caméscope, accroche-toi. C'est quoi comme achievement? Échapper à la crucifixion. Ah mais du coup on repart sur de l'infiltration. Ça saigne. D'accord. Faut que j'arrête l'hémorragie. Et pas de bandage, ok.
peux les dodge ou pas? Ah mais non, mais c'était pas par là qu'il fallait partir du coup. Fallait partir à droite. Tu vois, les types ont pensé à prendre Bah ça va, il serre les poings. Et là, miraculeusement, bras guéri. Ah. Ah, c'est ouf qu'il a encore la force de s'agripper. Dans le tonneau là, aller au travers. Un loquet. Apparemment, faut aller. Est-ce qu'on s'éloigne de la mine ou pas? Je sais pas. Passer de l'autre côté. Sur ça, par exemple. Regrimper. Faut aller ici. C'est dans l'eau. Et dans la flotte. Une flèche dans la tête. D'où il savait où me chercher? Ok. Est-ce que ça va être encore un passage scripté? Mais non, mais voilà, ça va être encore un passage scripté de merde où faut pas se faire repérer. Sauf qu'on voit que dalle.
Il fallait juste attendre. Et de porter plus de bordage. Saleté de vautour. Combien de cadavres avez-vous ramassé? Transition, mais... Je recule encore dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut être? Don't let me go. Don't let me go. Je vérifie quand même parce que... Comment je fais pour sortir d'ici? D'accord, j'ai plus de piles. J'arrive plus à... Il y a du sang partout. Ils vont le sang. Et allons vers la lumière. C'est quoi ça? Un téléphone? C'est un Yeti. Ah. Eh ben. Je vois pas grand chose, hein. Je vois pas grand chose. Toilette peut-être aussi. Pas moyen de quitter cet endroit. Là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Children. Déjà, les pendus, je suis une... Alors, les pendus en anglais, pas par là. Allez, là-bas c'est les toilettes. Un truc à faire ici, je pense que j'ai pas dû faire. J'ai beaucoup trop de choses dans cette pièce pour. J'ai ouvert celle-là.
Ouais, si, j'ai de la lune. Exactement, Guy. On va passer par au-dessus, non? Là-bas, peut-être? Ah, elle a sorti. Bloqué. Ah. Oh, c'est bloqué aussi ici. C'est scandaleux. Merci Coco pour le follow. Merci beaucoup. J'espère que tu passes une bonne soirée. Et bien sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah mais il y avait une porte à côté, je l'ai pas vu parce que je suis un bigleux. Ah ça va, ça va, ça va, ça joue à Outlast 2, un jeu, jeu d'horreur. Follow qui va suivre, un follow gratuit. C'est un nom à rallonge. What? C'est scripté ou alors c'est dans le où je suis vraiment mort? On pète ta mère. On pète ta mère. Elles font aussi en fait. On se tire, c'est pas par là, c'est par là. Perdu. Triste. C'est triste, j'ai perdu un follow gratuit du coup. Le follow encore. Pas du tout. Je vois ce qu'il faut le brain. Il faut revenir là-bas. Et essayer de passer derrière. Téléphone qui sonne. Allô? Allô? Ah, Dieu merci, tu es vivant. Tu dois rester calme. Nous allons t'aider, nous allons te sortir de là. Tu dois trouver un endroit où te cacher, un endroit sûr, où tu pourras te rappeler le goût de son baiser quand tu as senti son cou se briser, espèce d'enculé de taré. Ah!
Eh bah, ça a l'air joyeux. Ok. Bloqué aussi. C'est bloqué du coup. Ouais. Mais non, mais on s'est fait induire en erreur. Bon bah, faut courir. C'est plus droit. Ouais, mais bon, si... S'il va falloir que j'y prenne à plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe pour trouver le bon chemin... Ça va pas le faire. Oh, ça fait. On va partir à droite, cette fois-ci. Mais non, mais c'était pas à droite non plus. C'est pas à droite non plus. Est-ce que ça peut être? Mais non, mais c'est pourri, c'est scripté. Où est-ce que ça peut être? On peut se planquer dans un casier. D'accord, ok, c'était une transition. C'était une transition. Hein. Laird. Il n'y a rien de plus misérable parmi les affligés que leurs apitoiements, et je te fais confiance pour ne pas tirer satisfaction de tels péchés féminins. Si les disciples dont je t'ai confié la charge sont affamés et dans la douleur et la peur d'une nécessité de leur péché physique et la volonté de Dieu, je t'ai envoyé toute la nourriture et le vin que Dieu voulait, que tu paies rien de plus. J'ai eu des visions de l'aggravation de ce fléau et notre souffrance atteindra un point qu'aucun d'entre nous ne pourra plus supporter. Réjouis-toi du fait que nous sommes sur le point d'atteindre le centre de cette souffrance pour émerger dans le paradis éternel. Si tu ne peux pas contrôler ton peuple par les paroles, fais-le par les points de ta monture. Papa Thème, Dieu te livra, note. J'ai un cul de sacoche de grillons salés que Nick Hampton assure toi qu'il reçoive de ma part. Très bien. Carpe Abyssum Matrum Adinferiper Aspera. Oui, d'accord. Latin. Passer à ça. Tire. Mais non, mais c'est... Mais... Oui, en zigzag. C'est le maître mot. Fermé. Ah merde, mais il y a une porte ici. Qui est fermée.
là-bas peut-être. Non. Il va me retrouver lui, non? Se cacher dans un tronc d'arbre. Si on fait ça et... Il est proche là, non? Mais non, mais... Tiens, des flèches dans le cul. Et c'est le décès. Bah, elle est pas passée mal non plus. On rentre dans la maison. Ça, la question. Je suis persuadé qu'il y a un truc à faire là-bas, mais... Là aussi est bloqué, il y a deux portes. Les deux sont bloqués. Par là-bas. What? C'est par là. J'espérais qu'ils viennent pas nous... Clarté. On est derrière les barricades. Seconde.
Ah mais c'est un cactus. Mal avec un cactus. Ah d'accord. Ah. What? Je suis mort de quoi là? C'est quoi qui m'a tué? Passe aussi. Ah bon, on se refait agripper par des saloperies. Mais bon, je peux pas tirer Il va arriver à court de flèche. Il y a encore un type. Encore un type qui nous emmerde. Et on se prend des flèches dans le cul en plus. Et paf, dans le barbelé. On te tient, tout va bien. On te tient. Pourquoi il se débat? L'évangile n'est pas encore terminé, bien entendu. Comment est-ce que tu es trop si stupide? Tu enregistreras ta propre résurrection. Tu compléteras ton évangile. Oui, oui, nous le ramenons sur le chemin de croix. Son tombeau attend. Emmenez-le. Il sera ressuscité. Nous aurons tous notre communion. Va faire preuve un peu plus d'éloquence et de répartie par contre. C'est la technique de Kill Bill. Sur les côtés. Je crois que j'ai pas vu Kill Bill 2 d'ailleurs. Chemin qui mène à la mine. Pour la mine, hein.
Voici mon frère brisé et tué par le tyran Laird et sa monture Nick pour le vin qu'il a renversé parce qu'il lui manquait des doigts et que c'est pas vraiment de sa faute, c'est terriblement injuste et j'espère que Dieu miséricordieux le traitera avec plus de bonté. Ah. Ah oui, il lui manque des doigts effectivement. Il lui manque quelques doigts. Qu'est-ce que ça dit ? Des morceaux de ma peau étaient coincés dans les fils barbelés. J'avais presque plus de mains. Il était trop tard pour la tenir. Je n'étais qu'un gamin. J'étais juste... En pleine introspection du passé. Je me faisais juste à côté. On s'est poursuivre par des galopins, des ventres rampants. Alors attends. Réjouissez-vous, au galeux affligé de furoncles et de plaies. Tous ceux dont le sexe craque et suinte, votre Baptiste vient à vous, à califourchon sur un âne à la forme d'un homme. Ce Baptiste aux proportions d'un enfant, à l'exception de ses outils d'homme, est donc bien aimé du prophète Sullivan Knott, et Knott dit à Laird, que désires-tu dans ta misère? Et Laird dit, je désire voir les choses que le nouveau Ézéchiel a vues. Et Knott dit, oui, ton esprit est une crevasse trop étroite pour la virilité du message du Seigneur. Il déchirerait à sa pénétration, tu connaîtras seulement ton propre salut. Et Laird dit, oui, je crois en toutes les paroles de mon père. Et Knott s'écria, Hosanna au plus haut des cieux, ton amour pour moi est béni et tu découvriras les choses que tu as désirées. Et Laird dit, je vois les cieux s'ouvrir, je vois voler la fumée dans le ciel, un nuage d'insectes, pourtant un homme adulte, mais encore virginal, d'une beauté qui dépasse celle des femmes. Et je regardais à nouveau et vis le rédempteur des galeux, celui dont Ézéchiel avait parlé. Ézéchiel parla de nouveau à Laird, « Regarde, l'agneau pourvoit aux besoins des enfants de queue malade et d'entrailles pourrissantes, et j'ai vu les multitudes malades, affligées par les démons et les esprits impurs, guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Et moi, Laird, ai vu qu'il était monté sur la croix et tué. Poussé dans la luxure, les a livrés au péché, et dont le péché les a livrés à la luxure. Lorsqu'il sera ainsi pendu, il y aura une abondance de lait et de vin, tel que chacun mangera tout le beurre et boira la liqueur distillée qui reste sur la terre. Et puis, il y a une page suivante, ils proclameront la gloire de Laird qui les mènera au salut. Ça a très peu de sens. Hein. Et lorsque son esprit sera libéré et sa chair immaculée pendra morte sur l'arbre, ils le libéreront des épines et l'enterreront en piochant la terre. Et les galeux diront, nous sommes épuisés, misérables, car nos cœurs sont ravagés par le péché. Et le glorieux Laird devra les mener par sa langue. Un fouet et sa queue et leur rappeler, épuiser les hommes n'est qu'un détail, mais n'épuisez pas mon Dieu. Et ils proclameront la gloire de Laird qui les mènera au salut. Et le Messie galeux sortira du tombeau, surmontant la maladie et la mort. Et ceux qui sont accablés l'appelleront Immanuel. Un mélange entre immaculé et Emmanuel, je suppose. Emmanuel. Et le Messie galeux dira, ceci est ma chair, mangez-la et soyez guéris. Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle et ils proclameront la gloire de Laird qui mènera au salut. Eh ben, peu d'histoire. Hein.
Ta gueule, ta gueule. Ah. Je vais arriver à lui. Non. Ah. Tap, tap. Elle s'est pendue avant que je puisse l'en empêcher. Elle s'est pendue. C'est pas... Non. Attends, pas elle. Il. Oh, putain de merde. Elle s'est pendue avant que je puisse l'en empêcher. J'ai fait quoi dessus ? Qu'est-ce qu'elle écrit ? C'est par en haut. Passer par en haut. Passer par là. On va tenter un truc, je garantis rien du résultat. Ah mais comment il fait? Comment il fait? Désolé, j'ai dû prendre la corde de cette poulie parce que je voulais monter au ciel. Ezekiel Boursouflé ne vous donne plus de corde, vous pouvez me décrocher et la reprendre car je ne pense plus en avoir besoin. Ah hein. Quand même pas parler qu'il faut descendre. Tente hein, si on meurt tant pis. Passer par là. Non. Non. C'est une fenêtre. Regarde hein. C'est une fenêtre. Je vais vérifier Ah mais non mais. Une corde. J'ai juste besoin d'une corde. Vas-y, par là-haut. On va aller récupérer la corde. Pendu. Faire grimper là-haut. On va faire un de ces boucans. Et voilà, c'était... T'as déjà fait un nœud ?
Qu'est-ce que c'est que ça? Pas rien. Pas purifié. Échapper aux galeux. Mais qui avec qui, je comprends plus. Les hérétiques, c'est les galeux ou pas au final? Ou alors les galeux, c'est une sous-branche des hérétiques sur le toit. Ici, quoi, allez. Ah, c'était le toit de l'école, d'accord. Ça ressemblait un peu à une usine pétrochimique. Ah, quoi qui m'a tué? Il est trop noir, j'ai pas vu. Ah, j'ai la petite idée. Alors, passe en bas. Non, quand même, je veux pas un cul-de-sac. Entrez. Ah d'accord, on est à l'extérieur de... On peut pas passer par là? Peut-être celle-ci. Un endroit où on peut passer. Faut revenir en arrière. Verrouillé. Décidément, je suis nul. Ça, ça c'est... Non, ça se casse pas. Il y avait une trappe au milieu du... Fallait le voir. D'accord, c'est un espèce de tunnel de maintenance. Tunnel de maintenance mystique. Impossible d'ouvrir. Mais c'est où les classes? Là, je vois où est-ce qu'on aille.
par là. Non, c'est pas par là. Faut ressortir dehors. Vous voulez qu'on vous relise l'article? Par en haut? Ah ok. Je fais ça. On peut pas le pousser ça? Ah. Nigo, on l'a déjà lu ce truc là? Ah. Qu'est-ce que ça dit ça? Comment je fais pour sortir d'ici? Jessica, tu m'entends? On voit rien. Ah oui, d'accord, ok. Vite! Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement, m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Par ici, Blake. Jess, t'es là? D'accord, en fait, fais... Paf. Encore trouver le chemin qui mène à la mine. Est-ce que c'est... Oui, c'est par là. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à descendre. En permanence. Rien. Voilà du coup. Grimper ici. Non. Par là. Par là. Ok. Non, je vais pas mettre un putain d'orteil dans cette eau. Quelque chose cloche. Avec ce lac. Alors oui. Faut aussi jouer à Resident Evil 4 et il y a un Del Lago dans le lac. Elle est où la ville minière? Elle est à droite ou elle est...
Ah d'accord, on passe par la droite. T'as des bruits étranges. Le truc à filmer, ah, c'est là-bas. Une tour radio ou une liaison hertzienne. La civilisation, peut-être. J'étais assez stupide pour penser que je pourrais m'en sortir. Eh ben. Je me dis qu'il y a des personnages qui vont pas forcément se sortir. Pas qui. Genou. C'est exceptionnellement endurant quand même. Hein. On peut absolument ramper, c'est ça? Ou ça croupir? On peut vraiment ramper. Quoi. Là, je comprends pas qui est avec qui est avec qui. Qu'est-ce quoi? Attendez. Révérend Hodge, je ne reviendrai pas de mon voyage de chasse avant plusieurs semaines et j'espère que Paul vous livrera cette lettre dès que possible. En vérifiant les pièges de l'autre côté de la montagne à environ 8 km au-delà des mines, j'ai repéré les tours métalliques entre les arbres les plus hautes. Elles semblaient avoir été mal camouflées par les feuilles curieusement symétriques. Tenter de rejoindre la base des tours en pensant pouvoir trouver des informations concernant leur utilité ou l'origine de leur construction, mais je ne pense pas avoir marché plus d'un kilomètre dans leur direction lorsque j'ai été submergé par des rêves éveillés d'une puissance que je n'ai jamais connue auparavant. J'ai vu des choses que je ne peux décrire, j'ai vu des flammes et des insectes, et ce qui peut avoir été des bouches et ce qui peut avoir été des organes sexuels. J'ai dû marcher alors que j'étais dans cet état de transe, car j'ai repris mes esprits à une grande distance de cet endroit et je n'ai pas été capable de retracer mon chemin jusqu'à ces tours. Mon corps a réagi quant à lui de manière moins digne et je suis trop embarrassé pour décrire ses réactions physiques. Je pourrais peut-être les décrire en privé lors de mon retour à Temple Gate. John. Il a pris un trip sous mescaline et... Il va le passer. Radeau. Tu veux traverser le lac avec ça? Là-bas, du coup, la mine.
Ça va dans la brume, parfait. Il a le délire quand même. Quoi ça? Ce sont les signes. L'apocalypse. J'espère que j'ai juste perdu la raison. Hey, t'as plein le délire. Je suis en QWERTY ou je suis en AZERTY là? Je suis en AZERTY. J'ai l'impression de pas avancer. Ah si, j'avance quand même, mais c'est juste que... C'est vrai qu'il faut aller. Mais il y a des rapides là. Clairement des rapides. C'est pas ça que ce soit comme ça que ça fonctionne la physique. Et voilà. Ils ont pris Lynn. J'y suis presque. J'y suis presque, Lynn. Bien complètement ma boule. La secte veut sa mort. C'est un chrétien. Dieu a dit qu'elle devait mourir. Mais les autres, les hérétiques, veulent qu'ils dévénèssent pour défier Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir qu'il n'y a pas de bébé? Je dois... Seigneur... Lynn, j'arrive. Je crois pas qu'il y ait mis avec. Ah mais mon père, tu vas te faire repérer. Toi, elle est lente.
autant de corps flottants que j'aurais pu marcher à la surface sur leur dos. C'est presque drôle. C'est comme ça qu'on peut marcher sur l'eau. Un humour... Épreuve. Là, il y en a un qui va se réveiller et qui va m'agripper, c'est ça ? En toute logique. Je vais être déçu si elle fait pas ça. Genre toi, t'as pas l'air mort, toi. T'as clairement pas l'air mort. Si ? Ça avance pas. En ce point. On se rapproche des mines ou... Infini ce passage. Pas de souci avec la lune. Un souci là, on est avec les. On est dans les rapides. Ah bah... Faut être pessimiste, mais là ton radeau... Là-bas, le radeau. Si on fait juste... Merci. Fils de... Là, qui sont inventifs. Ils laissent exprimer leur art. Tuer en tant qu'avertissement ou en tant que bienvenue. Nous sommes tous les bienvenus. Ce radeau n'a pas pu aller très loin. Pas le truc qu'on a raté, mais c'est pas... Bah, c'est tellement obvious. L'amour nous libère. Et elle est où ta pagaie? Ah bah elle est là comme par miracle. T'as pas perdu la pagaie. En un seul mot. C'est du Maya. T'as pas perdu ta pagaie. Genre pagayer à bride abattue avec diligence. Ah mais il y a des galopas qui...
Elle est atroce, cette phase, elle est lente, c'est pas maniable, JPP. Mais bon, faut endurer. Là par contre, ça avance tout seul. Y'a quoi au bout? Y'a une cascade ou... Je peux rien diriger, je... Ah. Voilà la mine. Ah mais à mon avis, y'a pas que la mine là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui faire? Je pense qu'elle est la mère de quelqu'un. Ils m'ont appelé le père. Je peux pas, non. Ça fait des mois qu'on n'a pas... C'est pas possible. À mon avis, Eddie pose pas de questions. À moins que tu sois le père, mais un peu comme Joseph. T'es le papa, mais t'as pas touché. Ah. Échelle. Et est-ce que je peux avoir le temps de bouger, de voir ce qui se passe, de... À peine ça commence, on se fait tuer. Ah, c'est des phases où on comprend pas ce qui se passe en fait. Je sais pas. Donc, le perso est lent. Cours pas sur à la piscine. Non, c'est à quoi glisser, ce que la tête est mourue. Comme un caca. On va quand même le faire parce que notre perso est un personnage de jeu vidéo et qui est déjà mort plusieurs fois. Comme un caca. Non mais... C'est ici. Ah! Faire venir un plombier, non? Oh mais c'est un piège, je vais nous chercher ici en fait le bab. C'est obvious. Et là-bas, on va partir ici. On va repartir de l'autre côté.
ça fonctionne ici. Merde! Et tu... Non! 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 Allez, bougeons! Laissez-moi tranquille! Ah, par là, oui, on va être en position avec l'échelle, là. Non? Ah si. Du coup, ça va faire une transition avec l'échelle qu'on devait monter tout à l'heure. Voilà. Attends, c'est... Attendez. 7 plaies d'Égypte. Parce que justement, non, c'est les 10 plaies d'Égypte. Parce qu'on en a vu quelques-unes des plaies d'Égypte là. Les eaux du fleuve changées en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la mort des troupeaux, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés, d'accord. On sait qu'il y avait un truc, c'était pluie de sang. Chemin de Damas, c'est quoi? Compte enregistrement. D'accord. Ah. Ça dit? Une pluie de sang. Qui coulait de ses chaussures, je crois. What? Non. J'ai juste... J'ai évité de marcher dans le sang pour ne pas laisser de traces. D'accord. Ah bien. Golgotha. Atteindre la mine. Golgotha, si je me rappelle bien, c'est le fond de la montagne dans laquelle, sur laquelle a été fié les trois Lascar. Je me rappelle bien. Quoi ? Une tête ? D'accord, il... Mais à force de se buter entre eux... Au bout d'un moment, il a plus resté personne. Rien. Pour une fois. Nous avons essayé de la récupérer avant que l'ennemi déchire son ventre. Mais... Merde! Ils nous ont tués! Lynn! Vous les avez plus chanceux ont été tués! Partez! Nous devons partir! Il faut y aller! On repasse en... On enchaîne deux scènes de...
j'enchaînerai deux scènes d'école à la suite. Quasiment. On peut ouvrir ça? Oh là là, les phases d'école. Pardon. Jamais où est-ce qu'il faut aller exactement. Jamais ce qu'il faut récup. D'où on vient? Pas un PC d'allumé ou... Merde dans le genre. Il y a eu un bruit en début. Ah bah tiens. Qu'est-ce que ça dit? Blake against the machine. Hein. Elle nous fait des blagues. Encore un. Je peux te voir. Et what the fuck? What? Communauté soutien, espoir et prière pour catholiques déprimés et anxieux. Marie dit que tout arrive pour une raison et que Dieu a un plan, mais il dit également qu'il faut créer sa propre chance. Si tu veux quelque chose, tu dois changer ce qui est en travers de ton chemin pour y arriver. Je ne peux pas dire qu'il se contredit parce qu'il n'aime pas ça et il peut avoir la main lourde, mais j'ai l'impression de n'avoir aucun contrôle et que tout est de ma faute en même temps. Garde les deux mondes. J'ai besoin... J'ai parfois la même sensation. Souvent, tu es un adulte. Presque 50 ans, je suppose que c'est un peu stupide pour une femme adulte de s'inquiéter comme ça. Je ne devrais probablement pas être ici. Pas stupide de savoir qui est-ce que tu fais lorsque ton mari lève la main sur toi. Il te fait du mal, on peut appeler la police. C'est quelqu'un de sa famille. On va aller par là-bas. La conseignette. On va aller... par ici. Verrouillé. Attendez. Ah mais il y a... Jessica. Jessica P.O. Ça avait l'air d'être la joie dans leur école de catholique quand même.
On était où déjà? Ah oui, on était arrivé à la mine. Olivier mine. Mais non! Mais non! Il va falloir prendre une direction, hein. On est tombé dans un... Bon, on est... Parce qu'il... Je vois rien. Je vois rien. C'est quoi qui démonte la maison comme ça? Ben non, mais il me rattrape. Je suis en train de sprinter, j'ai le mage qui est enfoncé et le mob me rattrape quand même. Qu'il fallait aller, c'est ça, fallait aller encore en haut. Ah non, c'était bien là. Et là, notre perso, c'est une fusée. Tout à l'heure, il était lent comme un cul. Et maintenant, il trace comme une balle. Allô? D'accord. C'est une fenêtre scriptée dans laquelle on ne peut pas... Ne peut pas... Grimper. Pousser ça? Ah bah oui, il fallait pousser ça, je suis con. Encore une scène d'école. J'en peux plus des scènes d'école. Est-ce que c'est la créature du premier? Ou est-ce que c'est Belle? Pourquoi cette allée dépendue? Qu'est-ce donc?
Et le monsieur accroché à la croix, il est tombé. Allez. Niet. Niet, niet, niet. C'est là-bas qu'il faut aller. But. Ah. Quoi ça? Blake. Jessica loves Blake. Comment je fais pour sortir d'ici? Ah putain. Ah, cette tête. Franchement, je sais pas lequel des deux inspire le plus la confiance. Il y en a d'autres. Et une deuxième ombre. Et attends, mais c'est Elon Musk en plus jeune celui-là, non? Alors je suis pas du tout physionomiste pour un sou. Non mais les têtes des prêtres, franchement, mais c'est des pires. Un problème lui. Ah, les têtes des prêtres dans Outlast. Ah, c'est bon, c'était un fake apparition, c'est ça. Oh. Faire buter en deux frames parce que je saurais pas où est-ce qu'il faudra aller. Ok. Un labyrinthe. C'est un maudit labyrinthe. Et un genre de Macarena, c'est quoi? Ah, moi je vois que dalle. Si. What? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas tout saisi. Pas tout. Je plonge. D'accord, il est... Que je peux. Je fais ce que je peux. Ça, ces transitions, elles sont goldish quand même, mine de rien. Et non, mais pourquoi mon jeu passe parfois en QWERTY?
Passe. D'accord. Dans le quartier ou pas? Non, c'est bon, je suis repassé en... Je suis repassé en laser. C'est bloqué. Ah, ok. Bah, je suppose qu'il va falloir pousser ça pour passer. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, ici. Bandage. A priori, que ce soit les hérétiques ou les non-hérétiques, aucun des deux n'est notre allié. Hein. Quand tu veux, José. Il faut l'emmener, mais il faut l'emmener. Ici? Ouais, ici. Dépêchez, monsieur. Faut se dépêcher avant de se faire choper. Non mais si je suis bon. Le... Il commence un peu à baisser niveau de vitesse là, ça veut... Non mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. C'est ici que je voulais aller. Ah d'accord, c'est au cas où on tombe. C'est mauvais que vous tombez. Il y a un accès en plus pour y revenir. Continuons de grimper. Il pleut toujours du sang dehors ou... Bah non, mais voilà! Terrible. Terrible. Non, dans le 1, quand on fermait les portes, les mobs mettaient un petit peu de temps à l'ouvrir et tout. Là, dans celui-là, c'est un peu la galère. Un peu la galère permanente. Ouais, mais là je suis mort en fait. Mais il fait des apparitions comme ça instant. Qu'est-ce que je peux faire moi derrière? Que puis-je faire? Terrible. Ah, d'accord, commence. Bon bah du coup on fond, c'est...
page, pourquoi pas. En fait, faudrait que je réussisse à le brain. Ah mais si, attends, attendez. Attendez. Attendez, je vais tenter un truc. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas. Non mais... Qu'est-ce que tu fais? D'accord, c'était quoi ça? Mon jeu était encore en QWERTY. Ah mais oui, mais non, mais je comprends pourquoi en fait il est en QWERTY. C'est parce que dès que je regarde derrière moi... Un truc à faire dans les chiottes, mais je sais pas quoi. Oh. Ça ou pas? J'ai pas compris. On va les sortir directement en fait. Et voilà, ça me passe en fait en grand. Je peux pas regarder en arrière, ou alors je rebaigne ma touche de regarder en arrière. Tu n'es pas méchant, Blake. Juste désorienté. Tu n'as pas le cachet. Qui c'est Gorbatchev? Laisse-moi t'aider. Je me souviens quand j'étais un jeune homme. Tu as toujours été si nerveux. Il n'y a pas de raison d'être. Si tu as fait quelque chose... Il y a de plus en plus de phases d'école. Elle n'est vers le Tugo. Nano. Bon.
En haut, on peut passer ou pas? Non. Je vais faire ça. C'était obvious que t'as pété la gueule, mec. Oh là là, mais voilà, c'est de la merde en fait. On ne dit pas où faut aller, on ne dit pas. C'est la mort. On te met dans une situation où t'as genre 2 secondes pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que. C'est quoi l'idée. Ok, d'accord. Là, je peux aller faire demi-tour. Comment t'es supposé le savoir? Ah là là. C'est bon, tu t'es pas t'es plus obligé de ramper. Pas le pousser ça. Mais non mais. Ah mais d'accord. Même plus sprint. D'accord, en fait, on leur a fait faire un tour. Maintenant là. Ok. Fallait le savoir, ça quand même. Petit bloc. Au total. Ah, gaffe au coup de grisou. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sans fit.
C'est très safe, mais juste par curiosité, ça fait combien 800 feet ça? Enfin, 250 mètres. 250 mètres! Il doit faire de ses chaleurs! Et ça doit être la fournaise à 200. À cette. Sancti Sepulcri, c'est quoi? Descendre dans la mine. D'accord. Il doit faire une de ces fournaises à cette. À cette profondeur. On va aller Oh mon Dieu. Lynn. Il est quand même un petit peu plus long que la Outlast premier du nom du coup. Il est sorti d'où le type? D'où est-ce qu'il est sorti le gars? Non, c'est Tab. Ils ont vécu ici. Non, pas vécu. Je devais trouver Lynn. J'espérais ne pas l'avoir fait. Ah, des petits pouvoirs étroits. Caca, je vais le laisser. Ah, il est parti? Oh bah. Non mais voilà, ça c'est de la merde par exemple en fait. Ça par exemple c'est typical de la bite. Faut pas faire sciemment un instant kill comme ça sans crier gare. C'est limite un die and retry. C'est presque un die and retry, c'est ouf. Avec les morts. Je regardais ces visages à la recherche de Lynn, à la recherche des miens. Pour Jessica.
essayer la porte à droite du coup, ou est-ce qu'il y aura un mec dedans? Comme le cléport pour les... pour les ralentir. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Après. Sprint. Voyons. Par là. Par choper, ça c'est à coup sûr. Ouais, mais c'est débile en fait, enfin... Là on est encore sur un... On est encore sur le concept de... Bob qui m'attaque instant. D'accord, il en repose derrière lui. Hein ? Sprint! Sprint! Enfin sprint! Ah mais c'est un bébé. C'est un petit bébé. L'ennemi de mon ennemi. Un enfant.
Il est trop tard pour sauver l'enfant. Toujours trop tard. Ouais, non, attends, je peux faire ça. Ah non, j'aurais pas le choix en fait. J'aurais pas le choix. Ah, ok. Je fais ça. Ah non, mais comme je viens de le bloquer, c'est foutu maintenant. Faut que je le réactive. Enfin, ça depuis le début en fait. Maintenant je peux le pousser. Enclenche l'aiguillage. Et je le pousse de l'autre côté. Trouvez Lynn, y'a que ça qui compte. Si tu as fait quelque chose, je veux que tu me le dises. On va regarder ça ici. Et dans les moments qui précèdent sa naissance, l'Antéchrist se réveillait dans les entrailles de sa mère et son malheur et la misère saigneront et corrompront la terre. Jésus-Christ de Nazareth a détrôné la mort pour la gloire de Dieu. L'Antéchrist de Templegate placera les sombres cavaliers sur leur trône à moins d'être assassiné dans son berceau sanglant. Ézéchiel jugera l'agneau aux yeux d'araignée à naître par la lame et par le feu et les justes proclamer un Alléluia. Et vous verrez le ciel s'ouvrir et rejoindre la terre, et Ézéchiel montera sur un cheval blanc, ses yeux flamboieront comme une flamme, et sa tête sera couronnée de tous les diadèmes de la terre. Et il prend un nouveau nom, comme le dit la parole de Dieu, car elle doit être revêtue d'un vêtement teint dans le sang, et son nouveau nom ne sera connu que de lui-même. Et les anges sont les charognards qui se régalent de la chair des rois, la chair des mères, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, la chair des hommes libres et des esclaves. Et s'ils se nourrissent de la chair de cet enfant maudit, le ciel sera à vous. Mais si cet enfant naît, si des yeux de l'Antéchrist accueillent la lumière du monde, ils avaleront la lumière du monde entier, et la mort régnera à nouveau. Et d'interminables souffrances récompenseront ceux qui se complaisent dans sa souffrance, et un regret sans fin torturera les justes, avec tous les regrets incurables du péché et la honte. Qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Qu'est-ce qu'il fout là ceux-là? Ah! Quelque chose me dit que celle-là. Cette caillasse là vaut mieux pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Descendons. Voyez, petit. L'air est tout là. Regarde avec amour. Car à ce que vous voyez, petits yeux. L'humour, on dirait les... Comment dire, les bandits de Fallout 3, enfin de Fallout 4 en fait. Déjà les entendre. Je savais pas si c'était réel. J'ai vu le squelette du fœtus au fond de sa cage thoracique. Quoi? Eh bien. Partout, j'en ai quand même raté pas mal là. Ouais, je pense que de toute façon, faut visiter toutes les maisons limite pour trouver tous les enregistrements et comme
moi pris le temps. Et bah... Aaron. Qu'est-ce que vous avez fait, Aline? Où est-elle? Nous sommes des créatures d'appétit. Je veux sentir ta faim. Je veux voir ton vrai visage. Ta semence va brûler ce monde. Tu vas prendre une douche. Je me réjouis de notre seigneur enfant, nu, qui ne cache rien. Je retire ce masque. Espèce de taré ! Je montre mon vrai visage. Ça va être un truc dégueulasse. Montre-moi. Montre-moi ton vrai visage. Qu'est-ce qu'il me semblait ? Elle veut nous buter maintenant? Je comprends pas ce qu'ils veulent en fait. Que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Ouais d'accord, il y a un passage. Il est venu, le fruit de ta luxure, ton enfant, ton père, le Christ que nous méritons. Regarde. Voilà, c'est avant la flotte. Ok, c'est pas par là. Je vois que dalle. On est où les loups? Rien. On voit absolument rien.
partir par là du coup. Un peu un brin de fougère qu'on lui a fait. Oh, c'est pas vrai qu'il faut aller. On va pouvoir. Ah, mais d'accord, il y a plusieurs générateurs à éteindre. Je crois qu'il y en avait que deux. A priori, oui. Alors, l'autre côté, s'il n'y a pas un truc. Ah, peut-être qu'il faut le tirer et qu'il lui donner assez d'élan. Pour que ça cache justement le... Il faudra le faire là. On va se taper une transition à la con là. Ah, transition à la con. Ah non, ok. Vu qu'il avait complètement dépop le charial là. Ah, remarque là, ça sent la transition. Bah non, mais voilà, c'est con. C'est un peu con en fait. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Décidément,
Oui, mais... Elle va me choper, là, en fait. Mon perso rentre pas assez vite. Elle bouge-toi le cul. Mais non, mais c'est débile. Allô? Des bruits bien étranges. Des bruits étranges quand même. La mine comme ça. What? Et se regrouper dans le noir. Alors ouais, parce que là... Et Dieu prit la parole par la bouche d'Ézéchiel et ses oreilles saignèrent, ses dents se brisèrent, ses semences coula de ses reins inspirés, et ses paroles étaient le sang du Christ. Et de ce sang est né un fleuve. Et sa subsistance guérit la purulence des arbres qui portaient les sept nations. Par le sang de l'agneau, l'agneau aux yeux d'araignée mourra jamais. Ceux qui resteront n'auront besoin d'aucune lumière ni de flamme électrique, car la vision sera une aube éternelle. Ne tiens pas secrètement les paroles prophétiques de ce livre, mais copie-les à la lettre durant chaque moment de ta vie, car je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et celui du Père. Et comme berger, je dis, Dieu te le rendra. Que tu sois sale, que tu sois juste, que tu sois injuste, que tu sois habillé dans la honte ou dans la gloire, le jour venu, Dieu te pèsera et cela sera ta récompense. Nous sommes l'alpha et l'oméga et Ézéchiel est le premier d'entre nous qui devra grimper à l'arbre de vie ou y être crucifié. Seuls les élus de Dieu trouveront refuge au sein du Temple Gate. Au sein du Temple Gate, j'étais où? Sans quoi ils seront des putains, des tueurs, des idolâtres, des pharisiens, des publicains, des blasphémateurs, des collecteurs d'impôts et des tyrans. Et les anges disent, Dieu s'est détourné de l'homme jusqu'à ce que son
Fils Jésus-Christ partage son testament. Jésus-Christ s'est détourné de l'homme jusqu'à ce que son prophète Sullivan Knott partage son testament, et chaque mot du prophète est vrai car il est écrit dans ce livre, et ce livre est la vérité. Tu rendras témoignage à ces vérités, et ceci sera le livre de la vie. Et tu vivras dans cette ville sainte, tu diras Apocalypse, je t'attends, même dans ma souffrance, même dans la mort de mes enfants. Viens Seigneur, mon Seigneur, mon Dieu, et donne-moi le paradis, que la grâce de Dieu et de son prophète Sullivan Knott soit avec vous tous. Amen. Ça y est, on leur a échappé. Pas du tout. Ah, il nous a pris de la soufflette. On a pris une soufflette. Ah, on peut bouger, d'accord. Je crois que c'est une thématique. Place. Le Christ que nous méritons, regarde. Ils sont en train tous de baiser. Ah! Je suis plus forte que toi! Arrête! Tu dois me dire! Enlève-toi! Pas avant que tu répondes! Non! Ok! Mais tu dois abandonner! Si tu dis que j'ai gagné, je te lâcherai! Ok! Mais tu dois le dire. Ok, ok, c'est tout. Tu m'as vu. T'es une chiffre molle, Blake. Dans l'école des catholiques, parce qu'ils vont tolérer ça. Alors si jamais l'autre, le père Gustave là qui... Je ne sais pas pourquoi tu fais autant de... Comment il s'appelle là? Est-ce que Lynn t'a demandé de me le demander? J'ai demandé la première. Alors? J'en sais rien. Comment il s'appelle là, le père là qu'on avait croisé tout à l'heure dans le précédent flashback là, le mec louche? Elle t'a dit de me demander, pas vrai? Peut-être. J'en sais rien. Je voulais juste savoir. Toi aussi, t'es nul. Je sais. Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison? Non. D'habitude, ils rentrent après le dîner. Tu penses que je pourrais venir chez toi? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi tu veux venir chez moi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas, Jessica? Oh, désolée. Nous... Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Je suis désolée, Père Luther Milch. Nous sommes restés après l'école pour la revue. Nous allions partir. Retournons en classe, s'il vous plaît. Blake? Tu n'as pas encore d'ennuis, Blake. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis, quand même. Blake, reste avec moi.
Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal? Dois-je appeler vos parents? Jessica, est-ce que je dois rappeler non, ton père? Je vous en prie. Je veux juste que nous soyons amis. Personne n'est louche. Pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica? Jessica, regarde-moi. Veux-tu prier avec moi? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et si tu rentres chez toi, Blake? Ai-je interrompu quelque non, chose c'est entre pas vous ça. Deux? Alors tu voulais quoi? Tu ne veux rien dire? Vous savez, la honte est un don de Dieu pour reconnaître le bien du mal. Et ce que tu veux est très mal. Rentre chez toi et prie. Reste. Je veux que tu restes. Blake, s'il te plaît. Cette situation a assez duré. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Non. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Allez, pars. Ah. Ça explique, du coup, ça... explique son acte. Et voilà, encore une fois, on n'a même pas le temps de capter ce qui se passe. De comprendre où est-ce qu'on est, de ce qu'on fait et tout. On se retrouve déjà dans les embrouilles. Et on a quand même récupéré notre caméscope. Enceinte. Je te supplie, je veux pas mourir ici. Je veux pas que notre bébé meure ici. Je vais pas. Je les laisserai pas te tuer. On doit sortir de là. Retrouver Lynn. Que l'homme ne le sépare donc pas. On est sorti. J'ai fait sortir Jessica. Il faisait froid, mais la neige commençait juste à tomber. On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé. Tout ira bien. Ce n'est pas ma faute. Bah, je pense bien. Je peux prendre dedans. Hein.
aucune idée d'où est-ce qu'il peut aller, je vois rien. En plus, pas maniable. Passer par là, enfin, je pense. J'aille. Par ici ? Ça a l'air d'être un peu plus par là. Ah mais c'est... C'est quoi ça ? On doit trouver un abri. Le plus loin possible d'ici. Ouais. Mais du coup... Oh la vache, c'est... peu maniable. Quoi ça fait... Pas du tout, fallait passer à gauche. Partir par là ou pas? Elle est encore plus lente que nous. Là, clairement, ça va être le dessert. Elle a plus envie de sprint. Ah. Ah, à moins que la foule lui tombe sur la gueule, on est mort. Ah, remarque avec la pioche. What? Ah, ok, d'accord. Ah, mais d'accord, il y a le clocher qui s'est renversé et qui l'a... Ok. D'accord, d'accord. Blake, un chemin. Ça empire. Dépêche-toi, on va trouver un abri. C'est comme si le monde entier brûlait.
Pédale. Entre l'autre qui prend un tiers de son écran, enfin un tiers de mon écran. Et what the fuck? C'est le coup de l'année là. Le monde était en feu. Le bébé est arrivé. L'enfant improbable. Lynn disait que Jess était comme sa petite sœur. Je sais pas ce que je suis censé faire. Rien de tout ça n'est ma faute. Mais en fait du coup ouais, je vais pas stop le stream là vu que le jeu a l'air d'être presque fini au vu de, enfin je pense, j'espère, je sais pas, au vu des enregistrements, si il y en a 18 en tout et que je suis rendu à et du coup c'est marrant parce que là, je suis en train d'aller il y a une série et tout, et la prochaine série que je suppose me faire, c'est American Horror Story, la saison de l'année dernière, avec du coup Apocalypse, avec l'enfant antéchrist, l'enfant démoniaque. Ah mais c'est là que... Ah oui d'accord, ils ont vraiment... Et tu m'étonnes que Outlast 2 en fait il a été comme une lettre à la poste. Tu m'étonnes que Outlast 2 il a été complètement censuré il me semble en Australie. Hein. Évidemment, il a pas eu de chance, ce Blake. Et du coup, il reste encore... Et la bête. Oh, l'histoire, la pièce de théâtre. On garde ça pour le jour J. C'est vrai. Ok. On se fait la bise. Comme ça, c'est ta copine? Dis-le-moi, sinon. Sinon quoi? Arrête ça! Je t'ai encore eu. C'est l'enfant, n'est-ce pas, mon seigneur? La fin approche.
enfant est déjà trop fort. Vous avez assassiné le paradis. Au secours. Silencieux. Depuis la tempête, la naissance. Devant Dieu lui-même et tous ses anges, je l'ai haï. J'ai haï le Seigneur, notre Dieu. J'ai tué mes enfants, chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Il n'y a pas de foi plus parfaite. Et Dieu est toujours silencieux. Tue cet enfant si tu peux. Si tu as quelque amour que ce soit, écrase son crâne sous ta botte. Je sais que Dieu n'entend pas les morts. Mais j'attends de lui qu'il leur réponde. Il a buté tout le monde. Elle est complètement canée. Putain, mais les mecs qui vont arriver ici et qui vont voir le carnage, clairement louché. Le prêtre meurt. T'avais rien à faire. T'étais qu'un enfant. Personne ne pouvait attendre quoi que ce soit de ta part. Rien de tout ça n'est ma faute. Et maintenant il fait jour. Tiens, tiens, ça me fait penser à un truc, ça. Ça me fait penser à... Quoi ? Pas du... comment ça, du Cool Aid. Cyanure d'hydrogène. Ça fait penser un peu à, aux événements de Johnstown. Elle va faire tout ce qu'elle est née pour faire. Avec, avec une secte également. Jamais je ne te quitterai. Jamais tu ne m'as quitté. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble et ainsi vivre dans ton amour.
mais de nouveau, terminer le jeu. Red Barrels. Red Barrels, hein, le studio... Le studio canadien. Du coup, qu'est-ce que j'ai... Ah non, vous voyez ça. Oh, c'est pour vous, ça. D'accord, d'accord. Bah du coup, voilà, Outlast 2 terminé. Faut que je trouve des jeux à faire demain. Là, j'ai mis combien de temps à le finir? 7 heures, un peu moins de 7 heures même. J'ai deux lives de 3 heures, deux lives de 3 heures, plus bah, la... le temps de lancer, le temps de... à peu près 6 heures ouais, pour finir le jeu. C'est bon, et si je fais... Ah, y a pas le... D'accord. Donc du coup voilà, rendez-vous, je ne saurais pas exactement vous dire quand, vu que j'ai demain je pense que je prends un petit jour de repos. J'ai pas mal stream cette semaine. Et éventuellement rendez-vous lundi, peut-être pas après-midi, vu que lundi après-midi j'ai des trucs à faire. Lundi soir du coup je pense. Lundi soir on va se retrouver, je trouverai un jeu à faire, peut-être un Layers of Fear, peut-être un... Je verrai. Du coup, passez une bonne journée. Des bisous. Bonne soirée à vous. Et à après-demain. Ciao, bye bye.